Je suis Louis Chapelier Fou, je suis musicien électronique, mais qui joue beaucoup d'acoustique finalement. Mon historique avec la BAM, je faisais déjà de la musique déjà depuis un moment avant que la BAM n'existe, hein, donc je l'ai vu naître. Moi, concrètement, j'ai toujours eu l'impression d'avoir beaucoup de facilité à organiser des choses ici, ou à être soutenu, ou à avoir accès aux locaux. J'ai toujours eu l'impression d'avoir des portes assez grandes ouvertes. À l'occasion des 10 ans de la BAM, il y a deux espèces de méta-groupes qui ont été créés. Un, il me semble, avec Miracetti, Cascadeur, Josy Bazar, et j'en oublie forcément, comme d'hab, et Romain Muller. Nous, on est un groupe de 5 personnes. Voilà, donc on est parachutés dans une idée assez utopique mais qui est assez jouissive de se dire bon voilà on travaille quelques jours ensemble et puis on présente un truc unique. Tant qu'on est justement dans la BAM, etc., j'ai complètement oublié de parler de ce que je fais en ce moment et dont la BAM et la Cité Musicale de manière générale est très partenaire. C'est un ciné-concert sur le film Le Roi et l'Oiseau. Un ciné-concert dans lequel on rejoue intégralement la musique originale, réarrangée pour un petit ensemble de 4 instruments, qui sont le quatuor de mon ensemble, donc un quatuor à cordes, agrémenté de plein de petites broutilles sonores. On jouera à l'Arsenal Le Roi et l'Oiseau le 9 novembre, un samedi. Comme on dit, 10 ans, c'est encore tout bébé, donc la vie va être longue. Après 10, il y a quoi? Il y a 100. Mais ouais, j'espère que c'est parti pour encore 90 ans au moins.